Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de menu accordéon et j'aimerais qu'on parle un peu de la version mobile. Donc là, on travaille sur le menu accordéon, on a travaillé sur la version PC. Alors, on va aller quand même regarder à quoi ça ressemble sur la version mobile. Donc, si je vais sur la version mobile, je clique dessus et là. Alors, on en a mis deux. Je vais cacher celui-ci juste pour que ça ne nous trouble pas parce qu'actuellement on en a deux. C'est celui-là qu'on utilise actuellement. Donc, ma version mobile ressemble à ça. Donc, quand je vais cliquer dessus, hein, quand je vais cliquer dessus, j'ai les flèches monter vers le haut, monter, descendre, etc. Ça, c'est des choses que j'ai hein, pour bouger mon élément. Autre chose que je peux faire, supposons que voilà, je vais apporter quelques modifications. Je vais faire, si je clique sur le crayon. Je vais avoir les informations qui sont là. Hop. Et quand je vais scroller, donc on en a parlé déjà, on a parlé de ça, on a vu tout ça. Si je descends un peu vers le bas, je clique sur avancer, je vais avoir d'autres informations, hein. L'espace latéral, et là, je peux jouer sur les marges. Donc vous voyez ce que je peux faire avec. D'accord? Donc ce serait à vous de voir ce dont vous avez besoin. Donc la marge haute, la marge basse, etc. Donc, si je veux avoir un peu plus d'espace sur le haut, etc., je peux le faire. Je peux faire ça. Pareil, je peux travailler sur les marges intérieures, donc directement sur l'accordéon lui-même. OK, quand je vais dessus, je vais scroller celui-là pour que vous voyez bien. Je peux faire pratiquement la même chose dessus. OK, donc c'est à vous de voir. Donc, si je veux décoller un peu du haut, je veux réduire, etc., c'est des choses que je peux. Je peux m'amuser à faire. D'accord? Autre chose, vous avez vu qu'il y a des éléments sur le conteneur. Le bouton en haut, je trouve que c'est un peu bizarre. Le titre est au milieu, blablabla. Je ne trouve pas que ce soit vraiment terrible. Bon, je vais descendre au moins le bouton. Je peux cliquer dessus. Ok, chaque fois ça se ferme. Mais c'est comme ça. Ok. Donc, du coup, je l'ouvre et je continue. Bam. Et j'ai mon bouton tout en bas. Donc ça, c'est des modifications que je peux faire sur le conteneur en version mobile. Donc l'image aussi, si je veux changer de place, etc. Je vais procéder de la même façon. Celui-ci, on a la vidéo en bas, on a le bouton en haut. C'est moi qui vois d'après ce que je veux faire. Je remonte celui-là quand même un peu. Tac, je descends. Ok. Hop. Et là, je vais remonter la vidéo. Bam. Ça fait la même chose. Ok. Donc, j'ai quelque chose de ce genre. C'est moi qui décide de ce que je veux faire. Si on regarde un peu la version tablette, ça donne quoi? La version de la tablette donne ça. Donc, on va regarder. Ok. Sur la version tablette, j'ai ça. Si je trouve que voilà, c'est pas assez large, etc., je vais essayer d'aller travailler dessus. D'accord, je peux aller. Pour moi, c'est bon. Cette version tablette, elle est pas mal. Pas ici, je ne touche pas à ça parce que si je touche, c'est la version mobile qui va être changée. La seule façon pour moi de toucher la version tablette, c'est ce que je vous avais dit, c'est ici. D'accord, actuellement, c'est 500 par 500. Si je l'agrandis un peu plus, ça donne ça. D'accord, et je peux réduire davantage si je veux. Ok, mais ce sera à vous de voir. Moi, dans la mesure du possible, je ne touche pas la version tablette parce que ça se règle tout seul. Et si vraiment ça se présente mal, alors c'est l'endroit où il faut changer. Ok. Si vous voulez créer votre site internet, hein, vous voulez créer ça vous-même, sachez que nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite sur laquelle vous retrouverez des informations utiles hein, pour développer, du moins pour créer votre site internet. Pour ce faire, je vous recommande d'aller sur notre site web. AWDE.fr, vous scrollez vers le milieu de la page et vous avez un bouton je commence ma formation, vous cliquez dessus, vous créez votre compte de formation gratuite et là-dessus vous aurez des ressources hein, pour créer votre site internet. Du moins on a des templates pour vous, on a des tutoriels un peu plus avancés pour vous aider à créer votre plateforme. Et si vous avez des questions, on est là également pour vous aider. Envoyez-nous vos questions, on vous répond. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux également, hein, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant Agence Web AWDE. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.